Les symptômes de défaillance du capteur de régime moteur. Bienvenue dans Simo Auto. Le capteur de régime moteur, aussi appelé capteur PMH ou capteur de vilebrequin, est une composante importante du système de gestion moteur d'une voiture. Il mesure la vitesse de rotation du vilebrequin du moteur, fournissant des informations cruciales au calculateur de gestion moteur. Ces données aident à déterminer le moment optimal pour l'injection de carburant et l'allumage, influençant ainsi la performance du moteur. Les capteurs de régime moteur sont souvent des capteurs à effet Hall ou des capteurs inductifs. Ils détectent les dents d'une roue dentée fixée au vilebrequin du moteur. La défaillance du capteur de régime moteur peut entraîner plusieurs symptômes, indiquant un dysfonctionnement dans le système de gestion moteur. Voici quelques symptômes courants de défaillance du capteur de régime moteur. Des ratés de moteur. Perte de puissance. Des arrêts soudains du moteur. Bruit en provenance du moteur. Augmentation de la consommation de carburant. Le voyant de contrôle du moteur s'allume sur le tableau de bord. Difficulté de démarrage. Les défaillances du capteur peuvent parfois être liées à des problèmes électriques, tels que des connexions défectueuses, des câbles endommagés ou des problèmes dans le système de gestion électronique. Les mécaniciens utilisent souvent des outils de diagnostic électronique pour identifier les problèmes liés au capteur de régime moteur. Cela peut fournir des codes d'erreur spécifiques qui aident à cibler le problème. Le capteur de régime moteur est généralement positionné à côté du volant moteur. Et en raison de sa position au sein du moteur, le capteur de régime moteur peut s'encrasser et donc ne plus fonctionner correctement. Dans certains cas, un simple nettoyage de ce capteur peut résoudre les problèmes mineurs. Cependant, il est souvent préférable de remplacer le capteur en cas de défaillance significative.